Les genres de la musique du XVe siècle vont se fixer pour très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Renaissance, à la fin du XVIe siècle. Il y a trois genres majeurs qui atteignent une véritable maturité. Un genre profane, la chanson, et deux genres sacrés, le motet et la messe. Comme le premier maître de la chanson dans la première génération est Gilles Binchois, et qu'il résidait à la cour de Bourgogne, on utilise souvent le terme de chanson bourguignonne pour désigner de manière générale la chanson française. L'écriture est à trois voix, mais souvent seule la voix supérieure est pourvue de paroles, ce qui signifie que les deux autres sont joués par des instruments. Le rythme est dansant, ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La courbe mélodique est fluide, assez simple, ce qui rend par ricochet le texte, en langue vernaculaire, plus compréhensible. Généralement, chaque strophe est séparée de la suivante par un intermède instrumental. Comme on commence à dissocier musique et poésie, qu'on s'empare d'un poème extérieur qu'on met en musique, plutôt que de créer à la fois texte et musique, du coup la matière première, c'est le texte. Et les compositeurs ont à cœur de composer leur musique dans l'idée d'établir au mieux un rapport harmonieux entre le texte poétique et la mise en musique.